Problèmes courants liés au Nokia 3.2 et comment les résoudre. Bonjour chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous êtes heureux. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo avec vous, qui présente les problèmes courants de Nokia 3.2 et comment les résoudre. J'espère que ça vous plaira, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés, et maintenant suivons l'explication. Résoudre les problèmes courants avec Nokia 3.2. Je vais discuter de divers problèmes de dépannage qui apparaissent dans les smartphones Nokia 3.2. Ce billet de blog est conçu pour vous aider à résoudre tout problème pouvant survenir avec votre téléphone. Ce guide couvre les problèmes courants tels que les fluctuations du réseau, la durée de vie de la batterie, la charge, la surchauffe, la connectivité Wi-Fi, le couplage Bluetooth, la qualité de l'appareil photo, etc. Problème de réseau dans Nokia 3.2. Ce problème de réseau est souvent causé par presque tous les appareils Android. Si votre téléphone Nokia ne reçoit pas un signal approprié ou si le réseau mobile ne fonctionne pas ou fluctue, considérez les étapes suivantes. La solution. Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible pour votre appareil. Si disponible, mettez-le à jour. Éteignez votre appareil. Retirez la carte SIM du Nokia 3.2 et réinsérez la carte SIM. Ouvrez le panneau de notification. Activez le mode avion pendant quelques secondes, puis désactivez-le. Dirigez-vous vers SIM et réseau nom des points d'accès. Réinitialisez les paramètres réseau par défaut. Vous pouvez rencontrer des problèmes de réseau si vous déverrouillez le chargeur de démarrage, installez une ROM personnalisée ou récupérez. Assurez-vous que les services d'itinérance sont activés dans les paramètres réseau. Contactez votre fournisseur de réseau et demandez-lui si le problème vient de lui. Une fois que vous avez appliqué les correctifs ci-dessus, assurez-vous de redémarrer votre smartphone Nokia 3.2. Nokia 3.2 dernière version. Avez-vous l'impression que l'interface du smartphone est lente et poussive? Si oui, voici la solution pour votre appareil. Ce problème avec les smartphones affecte presque tout le monde et est le problème le plus courant sur tous les appareils aujourd'hui. Cependant, cela peut se produire même dans les téléphones plus récents en raison de notre tendance à remplir la RAM des modèles plus récents avec des applications ou des fichiers dont nous n'avons plus réellement besoin. La solution. Vérifiez si votre appareil Nokia 3.2 a une température élevée. Parfois, en raison d'une surchauffe, diverses fonctionnalités de l'appareil ont cessé de fonctionner. Avez-vous ouvert plusieurs onglets dans votre navigateur? Si oui, fermez-le. L'ouverture de nombreux onglets augmente l'utilisation de la RAM sur votre téléphone. Pour que l'appareil fonctionne correctement, vous devez disposer d'un espace de stockage interne sur votre téléphone. Supprimez les applications indésirables des appareils telles que l'application antivirus et l'application de nettoyage des fichiers indésirables. Avez-vous récemment installé une application et rencontrez-vous un problème de lenteur? Si oui, désinstallez cette application, après quoi le problème a commencé. Si vous avez une carte microSD insérée dans votre téléphone, assurez-vous d'utiliser des cartes microSD de classe 10, elles sont plus rapides que les cartes ordinaires. Mettez à jour le logiciel de votre téléphone vers la dernière version si disponible. Rencontrez-vous des problèmes de faible stockage? Oui, utilisez la version allégée des applications telles que Facebook Lite, Messenger Lite, Twitter Lite, YouTube Go, etc. Ouvrez le Play Store et mettez à jour toutes vos applications si des mises à jour sont disponibles. Utilisez un opérateur tiers? Désinstallez-le immédiatement. La plupart du temps, l'utilisation de différentes applications de lancement ralentit l'appareil. Désinstallez également tous les packs d'icônes ou de polices tiers installés sur votre téléphone. Effacez le cache et les fichiers indésirables de votre appareil, et cela devrait résoudre le problème. Il doit y avoir un problème matériel si vous rencontrez toujours des problèmes de lenteur sur votre Nokia 3.2. Bluetooth ne fonctionne pas sous Nokia 3.2. Les problèmes de couplage et de connectivité Bluetooth peuvent être ennuyeux. Il est possible que votre téléphone ne se connecte pas à votre voiture ou qu'un message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de coupler les haut-parleurs. La solution. Essayez de connecter le Bluetooth à un état stable. Gardez votre téléphone à l'écart des sacs ou des environnements compacts. Assurez-vous que l'appareil Bluetooth est correctement couplé avec l'appareil Nokia 3.2. Un appariement incorrect cause souvent le problème. Vérifiez si la visibilité Bluetooth de votre appareil est masquée. Envoyez-vous beaucoup de fichiers via Bluetooth à la fois? N'oubliez pas que Bluetooth peut envoyer de petits fichiers, Pas de gros fichiers. Si vous avez activé le mode d'économie d'énergie et le mode sans échec, désactivez-le. Redémarrez votre téléphone, puis essayez à nouveau de vous connecter au Bluetooth. Lorsque les appareils Bluetooth ne sont pas suffisamment proches les uns des autres, cela se traduit par une connectivité limitée. Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible pour votre appareil. Si disponible, mettez-le à jour. Vous rencontrez toujours des problèmes de connexion Bluetooth? Oui, alors essayez de réinitialiser votre Nokia 3.2. Nokia 3.2 problème de surchauffe. Votre téléphone chauffe régulièrement, mais cela peut être dû à elle, à batterie ou à autre chose. Il n'est pas rare que les téléphones surchauffent lorsqu'ils sont utilisés. C'est généralement le signe d'une activité de traitement intense au travail, comme jouer à des jeux et diffuser de la musique ou exécuter plusieurs applications simultanément. Voici les étapes pour se débarrasser du problème de chauffage. La solution. Fermez les applications exécutées en arrière-plan et vérifiez si cela vous aide à résoudre le problème. Effectuez un redémarrage de base de votre téléphone Nokia et vérifiez si cela résout le problème. Désactivez le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth et les autres options de connectivité lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Libérez autant que possible la mémoire interne. Cela améliorera certainement l'expérience globale de votre téléphone. Si vous jouez à des jeux graphiques de haute qualité, le réchauffement est normal. Analysez votre téléphone avec un antivirus pour PC. Il peut y avoir un virus sur votre téléphone qui cause un problème de chauffage. Problème d'appareil photo sur Nokia 3.2. Êtes-vous confronté à des photos de mauvaise qualité sur votre smartphone Nokia 3.2 ? Si oui, voici les étapes éprouvées pour résoudre ce problème. La solution. Une erreur dans le système d'exploitation Android est à l'origine de ce problème. Pour le réparer, vous devez attendre une mise à jour officielle du fabricant de votre appareil. Avez-vous installé une application de caméra tierce et rencontrez-vous ce problème? Oui, désinstallez-le et utilisez l'application officielle de l'appareil photo. Si vous souhaitez obtenir le meilleur résultat de votre appareil photo, assurez-vous d'utiliser l'option de stabilisation d'image. Effacez le cache de l'application appareil photo et ouvrez l'application. Vérifiez si cela résout le problème. Dans l'application appareil photo, activez l'option HD. Vérifiez et retirez tout protecteur de verre précédemment installé sur l'écran de votre téléphone. Si vous obtenez des photos plus sombres, allumez la lumière de l'appareil photo. La modification des paramètres de l'appareil photo peut entraîner ce problème. Modifiez les paramètres de l'appareil photo aux valeurs par défaut et vérifiez si le problème est résolu. Retirez le filtre de l'appareil photo de votre téléphone si vous en utilisez un. Nettoyez l'objectif de l'appareil photo Nokia 3.2 et vérifiez si cela résout le problème. Il doit y avoir un problème matériel sur le Nokia 3.2 pour que l'appareil photo ne fonctionne pas correctement. La batterie du Nokia 3.2 se dessèche rapidement. C'est un problème courant auquel presque tous les propriétaires de smartphones sont confrontés. Si la batterie de votre Nokia 3.2 s'épuise rapidement, essayez généralement les étapes suivantes pour y remédier. La solution. Désinstaller les applications de nettoyage de fichiers indésirables telles que les applications Cleaner et RAM Booster. Ces applications fonctionnent en arrière-plan et vident constamment la batterie. Désactivez la luminosité automatique et réduisez la luminosité lorsque vous n'en avez pas besoin. Dirigez-vous vers Paramètres affichage temporisation de l'écran. Réglez le temps d'écran minimum sur 30 secondes. De cette façon, l'écran de votre téléphone s'éteindra automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Ouvrez le menu de notification et activez le mode d'économie d'énergie sur votre appareil Nokia 3.2. Désactivez le Bluetooth, le GPS, la localisation, etc. lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Si vous rencontrez un problème d'épuisement de la batterie lorsque vos données mobiles sont activées, cela est normal. Vérifiez si vous rencontrez ce problème lorsque votre appareil fonctionne en mode sans échec. Désactivez les notifications pour les applications sans importance. L'une des raisons pourrait être que votre appareil est affecté par des logiciels malveillants. Nettoyez-le avec des applications antivirus. Jouer plus longtemps ou regarder des vidéos peut causer ce problème. Si vous rencontrez toujours un problème d'épuisement de la batterie sur Nokia 3.2, visitez le centre de service Nokia et faites vérifier la batterie de votre téléphone. Nokia 3.2 bloqué sur l'écran de démarrage. Nokia 3.2 est-il bloqué sur le logo Nokia et ne s'allume pas ? Si c'est le cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous pourrons peut-être vous aider à résoudre ce problème et à vous remettre au travail rapidement. La solution. Forcez le redémarrage de Nokia 3.2, maintenez enfoncé le bouton volume bas plus alimentation jusqu'à ce que votre appareil redémarre. Cela effacera généralement la mémoire et aidera l'appareil à démarrer normalement. Redémarrez Nokia 3.2 en mode sans échec. Pour ce faire, éteignez votre téléphone si vous ne pouvez pas l'éteindre. Laissez le téléphone décharger complètement sa batterie jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Appuyez sur la touche d'alimentation. Dès que le logo Nokia apparaît à l'écran, appuyez immédiatement sur la touche volume bas. Une fois que votre téléphone a redémarré en mode sans échec, recherchez le problème. Il se peut qu'une application cause un problème de boucle de démarrage. Vous pouvez désinstaller l'application et redémarrer votre téléphone en mode normal. Si votre appareil ne s'allume pas encore, répétez les étapes 1 à 4. Démarrez Nokia 3.2 en mode de récupération. Une fois que vous avez démarré votre appareil en mode de récupération, la première chose à faire est d'effacer la partition de cache. Si cela ne vous aide pas, réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine. Après avoir appliqué les étapes ci-dessus, contactez un centre de service Nokia et faites réparer votre téléphone si le problème n'est pas résolu. Les applications et les jeux n'arrêtent pas de planter sur Nokia 3.2. Lorsque vous essayez d'ouvrir une application ou un jeu sur Nokia 3.2 et qu'il se bloque soudainement, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est un problème courant et peut être résolu facilement en suivant ces étapes. La solution. Vos applications et vos jeux peuvent être obsolètes. Mettez à jour toutes les applications vers la dernière version. Effacez le cache de l'application spécifique où vous rencontrez le problème de plantage. Accédez à Paramètres application, appuyez sur les trois points, appuyez sur Réinitialiser les préférences de l'application. Vérifiez si le problème est résolu. Il est possible que le problème soit causé par un virus téléphonique. Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible pour Nokia 3.2. Si disponible, mettez-le à jour. Redémarrez votre téléphone et vérifiez si cela résout le problème. Assurez-vous de désactiver le mode d'économie d'énergie sur Nokia 3.2 s'il est activé. Nokia 3.2 ne peut pas se connecter avec un problème Wi-Fi. Lorsque vous tentez de vous connecter en Wi-Fi sur Nokia 3.2, la connexion Wi-Fi échoue malgré la saisie du bon mot de passe. Si oui, suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème Wi-Fi sur votre téléphone Nokia PH. À la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et à bientôt dans une nouvelle vidéo.